Moulins Communauté, en association avec le Pige de Moulins, organise l'Intercampus. Bienvenue au Palais des Sports de Moulins. Donc, nous sommes tous réunis ici pour réaliser et reprendre la semaine de l'Intercampus. L'Intercampus, c'est 7 établissements post-bac qui s'affrontent dans des épreuves sportives, d'adresse et culturelles. Cette année, 7 établissements sont de la partie. Le lycée Jean Monnet, le lycée agricole du Bourbonnais, le lycée Anna Rodier, l'IFI 03 IFAC, l'IUT INSPE, IRFSA et le petit nouveau Epitech. Le premier soir, le Palais des Sports a accueilli les épreuves de rugby où une ambiance incroyable était au rendez-vous. Mardi, à l'Enjoy Bowling, les équipes se sont affrontées autour de 3 épreuves, billard, baby-foot et bowling. Mercredi, les participants ont montré leur capacité d'entraide et de cohésion d'équipe dans les bassins de l'eau vive, construire un radeau, nage en relais, jeu de coton-tige. Le dernier jour des épreuves, jeudi, la Maison de la Rivière Allier a invité les étudiants à participer à 5 ateliers en lien avec l'Allier. Parmi eux, archidéfi, au fil de l'eau, au lavage. Ensuite, les campus se sont retrouvés à la médiathèque et à la salle des fêtes pour des épreuves culturelles et de réflexion. Jeux de piste, concours d'éloquence, dictée, mots fléchés. Pour terminer cette semaine d'Intercampus, les gagnants ont été annoncés ce vendredi 21 octobre au Press Club. Le trophée a été remis à l'équipe de l'IRSA par Pierre-André Perrussol, président de Moulins Communauté. De formation, la soirée a été festive comme il se doit pour fêter les vacances et la fin de l'Intercampus 2022.